Il est vrai que le groupe Padient, nous avons avec eux une relation qui date. Comme vous l'avez vu, leur premier investissement était en 2018. Une première usine qui a été faite à Tanger, à l'Atlantic Free Zone. Et donc nous avons travaillé avec eux depuis pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait un écosystème complet autour du groupe Padient. Évidemment, nous sommes ravis que la concrétisation soit accélérée après les grandes orientations de Sa Majesté et les relations qui se sont améliorées avec les États-Unis. Nous espérons voir dans les prochaines semaines, évidemment, un certain nombre d'opérateurs, pas qu'américains, parce que c'est un signal qui vient conforter l'ensemble des investisseurs internationaux qui, à un moment donné, se posaient des questions inutiles, mais qui étaient là. Malheureusement, elles étaient là. Et Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, nous a permis aujourd'hui d'ouvrir une nouvelle fenêtre dans laquelle, évidemment, nous allons tous ensemble nous engouffrer pour faire en sorte que l'investissement au Maroc continue. Alors, avec le groupe Padient, comme vous l'avez vu, ce sont trois structures qui se mettent en place pour pouvoir réaliser un certain nombre d'activités dans le siège de l'automobile qui devient de plus en plus complexe. Alors là, la première usine va employer 1300 personnes. Le deuxième accord va ramener dans le sillage du groupe Padient une partie de ses sous-traitants qui va ramener plusieurs PME, y compris des PME marocaines qui veulent rentrer dans cet écosystème pour 300 emplois. Et le dernier accord est sur une structure d'ingénierie de 50 ingénieurs de haut niveau, d'ingénieurs marocains, permettant à Adient Maroc de développer leur partie technologique. Donc l'ambition d'Adient, tout d'abord, c'est d'accélérer la production ici au Maroc. Donc on avait déjà démarré une activité de couture, de coiffe pour les sièges. Et donc c'est cette activité que nous allons étendre pour avoir à terme environ 1300 emplois directs, donc qui seront employés sur la fabrication de coiffes. Mais aussi de manière ultime, nous voulons développer un centre technique avec des ingénieurs qui nous permettront de développer et de créer les modèles de demain sur les véhicules qui équiperont les véhicules soit produits directement ici au Maroc ou en dehors du Maroc. Pour répondre à votre question sur la valeur ajoutée, la coiffe, c'est ce que vous voyez quand vous êtes un client. Donc c'est là que vous voyez la qualité et la finition du véhicule. Donc c'est là vraiment que se situe le savoir-faire et c'est là qu'il faut que l'on passe la majeure partie de notre temps, surtout lors d'un démarrage, pour obtenir la qualité qui est demandée par les clients. Donc c'est là qu'il y a vraiment un savoir-faire qui sera important. Un savoir-faire aussi bien dans la conception que dans la réalisation, parce que, comme je vous disais, c'est cet aspect de finition qui va faire que vous aurez un véhicule de qualité ou pas. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.